Voici les mouvements que nous allons apprendre durant ce cours. Enlacer la lune signifie prendre la lune entière dans ses bras. On se retrouve à enlacer l'éventail en position du cavalier. Voyons ce mouvement. À partir du mouvement précédent, l'éventail dans la main droite, on le descend jusque devant la poitrine, puis les mains décrivent une courbe vers l'extérieur, on écarte le pied gauche, enlacer l'éventail en position du cavalier. On s'assoit dans la position de manière stable. On refait. À partir du mouvement précédent, la main descend, les deux bras dessinent une courbe, on écarte le pied et on appuie avec l'éventail. Enlacez l'éventail en position du cavalier. Faites-le avec moi. Enlacez la lune. Tourner le fond de la mer fait référence à la formation de l'écume des vagues sur la mer. Les mains décryptent un cercle de bas en haut. Voyons ce mouvement ensemble. À partir du mouvement précédent, les mains montent puis se retournent. Très bien, on y va ensemble. Après l'ouverture, on regarde à droite. Ensuite, on ouvre le pied, on tourne le corps et on avance, main au-dessus de la tête. On ouvre les mains de chaque côté et on regarde à droite. On répète deux fois, on le refait ensemble. Les bras montent puis s'ouvrent, on ouvre le pied et on tourne, puis on avance une fois, deux fois, en ouvrant. Faites-le avec moi, tournez le fond de la mer. Quelles sont les différentes sortes d'éventails de Kung Fu? La monture des éventails de Kung Fu peut être faite en bakélite, plastique, PVC, bambou ou acier. Les meilleures feuilles sont en soie, mais le marché propose surtout des imitations soie bon marché, agréables et très appréciées. Les éventails de Kung Fu en bambou sont souvent formés de 13 tiges polies, peintes et lisses. Ils s'ouvrent facilement et produisent un son fort. Tenir le pipa est un mouvement issu du wushu traditionnel. Le pipa est un instrument de musique traditionnelle chinoise. Ce mouvement mime la tenue d'un pipa dans les mains. Voyons ce mouvement ensemble. À partir du mouvement précédent, on ferme l'éventail, puis on avance en pas vide haut et on ouvre l'éventail. On refait ce mouvement une fois. À partir du mouvement précédent, on ferme l'éventail, on avance en pas vide haut et on ouvre l'éventail. Il faut ouvrir l'éventail de manière bruyante et sèche. Faites-le avec moi, tenir le pipa. Sonner à l'est et frapper à l'ouest est un terme provenant de la stratégie militaire de la Chine ancienne. Notre mouvement cache la véritable intention d'attaque. Voyons ce mouvement ensemble. À partir du mouvement précédent, on ferme d'abord l'éventail, on avance le poids du corps devant et on ramène l'éventail. Puis on avance, on le place au-dessus de la tête, puis on ouvre les bras et on ouvre l'éventail vers l'intérieur. Le mouvement se fait d'abord dans une direction, puis tourne vers l'autre direction.
On le fait ensemble. À partir du mouvement précédent, on ferme l'éventail, on passe devant, on recule le poids du corps, on place l'éventail au-dessus de la tête, on avance et on ouvre l'éventail. Faites-le avec moi, sonnez à l'est et frappez à l'ouest. L'utilisation d'une œuvre calligraphique et la pratique du kung-fu de l'éventail ont des principes de base en commun. Par exemple, l'intention dirige la force, le qi descend dans le bas-ventre, la coordination entre le bas et le haut, le fil continu du mouvement, la stabilité dans le mouvement, etc. La force dans l'art calligraphique a le même sens que celle du kung-fu de l'éventail ou du tai chuan, on recherche son contrôle. Maintenant, pratiquons ensemble les mouvements de ce cours. Le mouvement Enlacer la lune insiste sur la posture du cavalier. Le maintien en position du cavalier requiert d'avoir le corps droit, centré et détendu. Le qi descend dans le bas-ventre. Ce travail permet d'améliorer la stabilité dans la posture. Maintenant, faisons ce mouvement ensemble. Les bras tournent vers le bas, puis se rapprochent au-dessus de la tête. On écarte le pied gauche, on descend en cavalier, le qi descend dans le bas-ventre, corps droit et centré. On refait une fois. À partir du mouvement précédent, les mains descendent, les bras dessinent une courbe, on écarte le pied gauche et on appuie avec l'éventail vers le bas, enlacer l'éventail en position du cavalier. Allez-y avec moi, enlacez la lune. Les points clés de tourner le front de la mer. Ce mouvement nécessite la coordination de trois éléments. L'ouverture de l'éventail, rotation du corps et pas en avant. Faisons ce mouvement ensemble. On ouvre les mains et on ouvre l'éventail. On tourne la taille. Les pas doivent être coordonnés avec l'éventail. On refait une fois. On ouvre le pied et on pivote, puis on avance, on place la main au-dessus de la tête et on ouvre. Faites-le avec moi, tournez le front de la mer. Les points clés de tenir le pipa.
Il faut coordonner le pas vers l'avant avec l'ouverture de l'éventail. Le son d'ouverture doit être fort et sec. Allons-y. On le refait une fois. À partir du mouvement précédent, on ferme l'éventail, on avance, pas vide, haut, et on ouvre l'éventail. Pratiquons ensemble, tenir le pipa. Sonnez à l'est et frappez à l'ouest. Le véritable sens de ce mouvement est le fait de masquer l'attaque. On doit donc bien distinguer feinte et véritable attaque. À partir du mouvement précédent, on ferme l'éventail, puis on pivote, on cache l'éventail, puis on balaye horizontalement l'éventail, mais ce n'est pas notre véritable intention. Ensuite, on recule le poids du corps, puis on avance et on ouvre l'éventail. On le refait une fois. À partir du mouvement d'avant, on ramène l'éventail, on le place au-dessus de la tête et on ouvre. Répétez avec moi, sonnez à l'est et frappez à l'ouest. Maintenant, nous faisons les mouvements enchaînés. Le cours d'aujourd'hui prend fin. Pour terminer, regardez la première partie de la forme de Kung Fu de l'éventail du style Kaiyuan. On se retrouve au prochain cours.